Bonjour, j'ai une dizaine de questions à vous poser. D'accord. Pouvez-vous nous présenter succinctement vos personnages, Jean et Dolores, aux spectateurs qui n'ont pas encore vu le film? Alors moi je joue Dolores, qui est une jeune femme du Sud, qui travaille dans un magasin de chaussures et qui est la compagne de Jean, interprétée par Didier, et Joey Star. Tu es dans un genre de cagole en fait. Une sudiste. Tu préfères, d'accord. Moi, je suis Jean, en fait, qui a grandi et vécu toute une vie avec Dolores, et qui ne connaît l'amour que par le biais de Dolores, et qui se retrouve à un moment donné tiraillé entre Dolores et une autre personne qui est Jasmine, pour le coup, Aurore, donc. Et qui, justement, n'a connu qu'un seul amour, donc de fait, toute la trame se trouve là, quoi. C'est-à-dire qu'il ne connaît l'amour que par le biais de Dolores, et découvre qu'il y a aussi autre chose, une autre vie, donc. Et il y a toute cette trame mélo, et après, il y a tout le drame qui dont je trouve que ça serait crétin de parler tout de suite. Sinon. D'accord, parfait. Voilà, quoi. Parfait. Monsieur Joey Star, le réalisateur Emmanuel Mouret. Vous êtes obligé de dire monsieur à chaque fois? Non, on l'aurait rapproché de vous. Il peut même me tutoyer s'il veut. Joey Star, tout seul. Le réalisateur Emmanuel Mouret dit de toi que tu as une épaisseur à la Lino Ventura, une pudeur aussi qui correspond à l'essence du rôle et que tu as un physique qui raconte un passé, un vécu et une profonde sensibilité cachée. Comment as-tu abordé ce rôle? De quel acteur ou film tu t'es inspiré pour ce rôle? Je me suis inspiré d'aucun acteur ni d'aucun film, j'ai juste tenté d'être un rouage de l'histoire et surtout d'être au garde à vous par rapport à l'histoire que voulait raconter Emmanuel, quoi. Enfin, pour moi l'intérêt c'est ça, quoi. C'est qu'au départ on rencontre quelqu'un qui nous... Je pense que c'est un truc qui se fait à l'aura, même si on lit le scénar ou on ne le lit pas, je pense aussi après c'est un contact, tout se passe à l'aura. L'aura n'étant pas une science exacte, on ne sait pas vraiment où on va, mais il y a quelque chose qui nous emmène. C'est surtout la magie. La magie, elle est surtout là. Tu m'arrêtes, tu lèves la main. La magie est surtout là, quoi. Et donc, c'est Emmanuel qui a su m'emmener. Mais je n'ai rien préparé, ni pris en référence. D'accord, parfait. Quant à vous, mademoiselle Le Doyen, alors... C'est un entretien. Le réalisateur dit qu'il avait envie de vous voir dans un personnage très ambivalent, très sexy, fier, provocante et en même temps doué d'une grande intelligence, voire d'une malignité redoutable, aussi souriante que perfide. Vous reconnaissez-vous dans cette description? C'est la seconde fois que vous travaillez sous la direction de Emmanuel Mouret après Un baiser s'il vous plaît en 2007. Comment sont passées vos retrouvailles? Question un peu large. Voilà, alors très bien. On avait fait ce film Un baiser s'il vous plaît, on avait vraiment aimé travailler ensemble et on s'est très vite dit qu'on aimerait retravailler ensemble. Donc le projet d'une autre vie est venu très très vite, il y a donc 7 ans. D'accord. Et puis on trouvait pas l'acteur en fait, on trouvait pas Jean. Et donc le film ne se montait pas parce que Salvador étant mort entre temps. Mais c'est ça, parce qu'au départ c'était écrit pour lui. Ah, d'accord. et jusqu'à ce que Emmanuel pense à Joey Star, c'est là où le projet s'est vraiment cristallisé, c'est-à-dire qu'il avait enfin son Jean et le film pouvait enfin commencer. Et puis après, je ne peux pas vraiment vous répondre à ce qu'il projette sur moi. Tout à fait. C'est mon opinion, tout à fait. Voilà, c'est très gentil. Comment s'est passée votre collaboration et est-ce qu'avant de travailler ensemble sur ce film, vous connaissez déjà? On s'était rencontrés. On s'était croisés, voilà. Oui. Moi, je connaissais ta mère aussi. Oui, je sais. Je pense qu'on a plutôt appris à se connaître en faisant. La vraie rencontre, ça a été quand on s'était rencontrés à Le Monde Rétréci, donc forcément, même vous et moi, on aurait fini par se rencontrer. Voilà. Et donc, de fait, c'était juste ça au départ. Et puis, mais moi, je connaissais le travail de Virginie. Tu sais, en fait, je crois que... Tiens, je suis couvert d'autre chose. Je crois que la première fois que j'étais vraiment découvert, tu avais fait
tu sais, cette émission, je crois, à l'époque, c'était l'émission de Pascal Clark. Ah oui, oui, j'avais dit. Et je t'avais écouté du début jusqu'à la fin. Ah je t'avais trouvé. J'avais trouvé que tu m'avais donné envie. Voilà. Ah bon ouais. mais rien de sexuel. Hein. Oui, je me suis dit, enfin voyons. Voyons. Mais moi je précise. Oui, oui, mais. Si ça veut dire que je ne comprends pas pour le côté qui. Non, non, mais je t'avais écouté parler et j'avais. Je trouvais qu'il y avait une magie dans ce que tu racontais. Tu venais sûrement vendre un film, je ne me rappelle plus lequel. Et je t'avais écouté le début à la fin. Et c'était le film d'Emmanuel. Ah ouais, en plus. Il se pourrait que ce soit un baiser, voilà. S'il vous plaît. Et bah voilà. Et je t'avais écouté, je me rappelle que. Bon, bref, on va éviter le détail, mais je me rappelle que ça m'avait. Voilà. J'ai tout dit. Parfait. Qu'est-ce qui vous attire dans ce scénario écrit par Emmanuel Mouret? Plus largement, comment choisissez-vous vos rôles au cinéma? Qu'est-ce qui est quel est le feeling quelque part qui vous attire? Les rôles, c'est lié aux histoires. D'accord. Un rôle sans histoire, sans vision, sans point de vue d'un metteur en scène dessus, sans, je pense que, sans partenaire. On en a plein, en fait, on peut en faire plein. Oui, mais en fait, ça n'a d'intérêt que si sont réunis la vision de quelqu'un. Des fois, un rôle qui peut sembler très anodin, parce que c'est tel metteur en scène. Ouais, parce que qui va porter son regard. C'est le regard qu'on va porter sur une histoire et donc sur ces personnages qui donnent envie. Donc c'est comme ça que que je choisis non pas mes rôles mais les films dans lesquels je joue. Quant à ce qui m'a plu dans cette histoire là, c'est sa force de vie, quoi, parce que c'est sa poésie, c'est son lyrisme, c'est une histoire d'amour, c'est un triangle amoureux, c'est une éducation sentimentale, c'est des gens aussi qui grandissent à travers une histoire un peu douloureuse. Mais et voilà, et effectivement, cette histoire-là, mise en scène par Emmanuel, bien sûr qu'il a été le premier vecteur de désir, quoi. Et puis Didier, réellement, moi, la perspective d'être, d'être sa partenaire, de l'approcher, de le connaître un peu, vraiment à participer de beaucoup aussi à l'envie que j'avais d'être dans ce film. D'accord. Ben moi, si on me demande, si je veux bien, j'ai presque envie de dire idem, dans le sens où moi, c'est déjà Emmanuel, le genre, déjà, il y a un moment donné où je me suis dit, tiens, mais ça me donne envie, enfin, alors, ce que j'avais déjà fait, le peu que j'avais déjà fait, enfin, là, je me suis rendu compte que j'avais envie. Et donc, du coup, mon agent m'a dit, oui, tiens, j'ai proposé ça l'a plutôt, ça lui a plutôt parlé. Et le genre, je me suis dit, tiens, bon, allons-y. Enfin, moi, je l'ai pris comme un exercice en me disant, t'as envie de faire ça, écoute, faut aussi faire ça. Faut aller par là. Enfin, faut tenter, quoi. Et j'y suis allé, et comme j'ai déjà dit, quoi, au départ, il m'a super mal vendu. Mais il a réussi à me convaincre quand même. D'accord. Et puis j'avais envie, puis pareil, quoi, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord une personne qui est le metteur en scène, pour revenir à ce que tu disais, et puis après c'est des gens avec qui aussi, quoi. Voilà. Avez-vous quelques anecdotes de tournage à nous raconter? Une ou deux peut-être? Alors les anecdotes, il est très fort. Non. Ah. Je me laisse aux anecdotes. Il y en a une particulière, c'est Moi j'en ai une. Moi j'en ai une. Vas-y. Je te coupe parce que qui n'a pas. Ah moi j'en ai une parce que qui va parce que très souvent on me pose la question depuis que je fais la promotion de ce film. Alors Joey Star, comment Joey Star, etc. Et moi j'ai une anecdote qui résume vraiment Joey Star sur l'idée qu'on peut s'en faire. Et un jour on tournait sur la plage, enfin, je sais plus, c'était avec une couverture. Et à un moment donné, on bouge de décor, et il y avait une toute petite régie. Et en fait, Didier, il portait les maquilleuses se barrent toutes avec maquilleuses, coiffeuses, habilleuses avec leur sac, etc. Et le seul mec, le seul garçon, d'accord, qui sur 20 autres garçons a pris les sacs des filles et l'a emmené jusqu'à la loge maquillage, c'était Didier. Et ça résume, non mais personnage tout à fait, ouais. Le paradoxe, ouais, mais le paradoxe c'est ça, c'est-à-dire
une espèce de masse comme ça et quelqu'un d'ultra délicat, mais sans en faire des caisses, hein, d'une façon tellement simple et naturelle. Voilà, c'est une anecdote qui m'a fait. Je résume ça, c'est juste en équipe. Voilà. Ouais, non, mais sinon, on ne le ferait pas. Ouais. Ah non, ça, je te confirme. Bah ouais, mais parce que moi, il m'est arrivé, par exemple, je vais te raconter une anecdote vite fait en musique, comme ça. Genre, on part jouer en Afrique. Puis moi, j'aime bien, avant d'arriver sur scène, qui est ce truc de on va faire un spectacle. Je ne crois jamais comment. Genre, on va chanter. C'est un spectacle, ça reste un spectacle. Et là, pour le coup, on est dans une cour d'école, il devait y avoir 2000 personnes, on a 7000. Problème de son, puis on était au Togo, donc c'est tropical, c'est tous les pays, mais c'est pas grave. Enfin bon, climat tropical, donc des petites pluies dans sa machin. Et on était en plein air, donc les mecs galèrent, et puis au bout d'un moment, ils disent, ouais, non, mais mec, il faut commencer. Donc en fait, tu casses ce truc d'arriver un peu sur un spectacle machin pour aller aider les mecs à brancher le truc, donc tout là. Je me dis, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Enfin, ouais, c'est clair. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est pas, enfin, voilà, ça, c'est le détail, quoi. C'est pas tout le monde. Mademoiselle Le Doyen, mon collègue Tobias, trouve que dans ce film, vous êtes tout simplement foncé. Madame, maintenant, monsieur. Madame, excusez-moi. Mademoiselle est passible de... On a plus le droit. Stop, on coupe, on refait. Madame Le Doyen, mon collègue Tobias trouve que dans ce film, vous êtes tout simplement fascinante grâce à votre capacité de... Qui est Tobias? Mon collègue qui travaille sur le site, qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Donc s'il n'est pas là... Il avait une question. Tout à fait. Tobias. Grâce à votre capacité de traduire les facettes multiples de votre personnage en un portrait de femme à l'imprévisibilité inquiétante, que lui répondriez-vous? Je le remercie. Parfait. Il sera content. Les sujets abordés dans le film, comme le sentiment de culpabilité et de sa force destructrice, la position de coupable et celle de victime, sont-ils des thématiques qui ont été faciles à aborder pour vous dans ce film? Est-ce que c'est une question de Tobias d'abord? Non, c'est la mienne. D'accord. C'était toute la problématique du film, en fait. Tout à fait. Donc, quand on joue dans le film, c'est que ces problématiques nous intéressent. Nous intéresse, nous touche, donc on se met au service de cette problématique-là. Et puis ce qui était intéressant, c'est que les victimes ne sont pas celles, n'ont pas toujours l'air d'être celles qui Bref, je recommence parce que la victime devient bourreau. D'accord, voilà. Tout à fait. Ouais, ça, c'est bien. Ah, je crois que là, c'est bon. Joe, dans le film Police de Mai Wen, tu as été admirable de justesse. Dans le film, vous êtes de nouveau parfait. Comment cherchez-vous cette tonalité si juste pour aborder votre rôle? Est-ce que vous sentez les choses? Est-ce que... Ah, je suis pas vraiment là, chaque fois, en fait. Non, je rigole. merci, déjà. Que répondre à ça? Non, mais je sais pas. Enfin, c'est parce que... Je pense que ça tient du fait que dès qu'on se sent bien, enfin, pour ma part, les choses se font naturellement. Et donc, moi, j'ai une fâcheuse tendance à oublier des fois qu'on est filmé. Donc, je peux dire des conneries et faire des blagues de prépubère ou potache à souhait. Enfin, je m'en fous un peu, en fait. Je pense que ça va venir du fait que j'ai des instants où j'oublie l'œil de l'autre, à mon avis, peut-être. Et qu'on arrive à capturer ces instants-là. Mais après, quand tu as l'expliqué, je sais pas. Moi, je suis protagoniste, donc quand tu as être juge de ça en même temps, je sais pas. Mais merci en tout cas. Merci. Quelles ont été les scènes les plus difficiles à aborder dans ce film, pour vous deux? Vendre des chaussures. Quelle préparation? Non, mais il n'y en a pas toutes. Tout et aucune, en fait. Moi, je trouve que le film s'est passé franchement d'une manière très, très fluide, quoi. Très, très simple, très évidente. C'est-à-dire que tout était tellement juste dans l'écriture, dans la direction, dans comment on faisait les choses et pourquoi on les faisait, que finalement, c'était simple. Après, c'est difficile. Oui, parfois les scènes sont très, très dialoguées, donc le texte est lourd, etc. Mais bon, ça, c'est très technique, finalement.
Ouais, mais c'est pas tant que ça, parce que je trouvais mais ça marchait, quoi. C'était assez fluide, quoi. Je trouvais que tout était... Même moi, quand on est parti sur l'île, c'est un moment où tu n'y es pas, où le truc se tisse avec Jasmine. Je suis derrière des fourrés, je fais le con. On sent qu'il y a ce sentiment qui commence à grossir, à grandir. On attaque, donc t'as l'air d'un crétin. Enfin, quand on est en phase de drague. On a toujours un crétin. Ouais, voilà, quand on est là, on va vouloir être charmé. On se fout des crocs en jambes tout seul, quoi. Mais quand on croit à une histoire, en fait, c'est jamais crétin. Tu vois ? Oui et non. Oui et non, mais c'est crétin. Mais t'es pas dans le jugement de ça, c'est pas cynique, tu vois. Ouais. Parce que sinon ce serait cynique de dire « Ah, j'ai vraiment l'air d'un con. » Moi je regarde le moteur, je le capot aussi. Ouais, mais moi je pense que quand on croit... Ah, peut-être. Une femme, pardon. Oui, une fille, c'est bien. Un garçon. Un homme, plutôt. Bah non, c'est moi. Aimeriez-vous, comme certains comédiens, réaliser un jour votre propre film ? Moi, pour l'instant, j'en ai absolument aucune envie. D'accord. Et toi, Joël ? Moi, j'en ai rien à foutre, carrément. D'accord. Moi, j'ai déjà réalisé des clips pour moi-même. C'était bien, mais je l'ai surtout fait parce que nécessité fait loi. Et qu'à chaque fois, on nous écrivait des trucs qui étaient un peu victimaires ou machin, parce que c'était du rap. Et je trouvais que ça ne convenait pas. Donc, à chaque fois que je l'ai fait parce que ça m'énervait. Et que je me disais, bon, mais j'ai toujours été un imbécile bien entouré. C'est-à-dire, mon chef-op... la première fois que j'ai réalisé un clip, à l'époque, j'ai vécu avec une fille qui était script. Donc, il m'a juste expliqué, en fait, un clip, c'est deux voire trois bonnes idées qu'on fait tourner comme ça, qu'on tape. Et ça a été vite. Et du coup, voilà. Et on m'a même proposé de faire des clips pour d'autres. Ce que j'ai fait, on m'a proposé un salaire, même si je ne travaillais pas. J'ai refusé, j'ai dit non, mais ça m'intéresse pas. J'ai jamais pris une photo de moi en vacances. Je veux dire, ça ne m'intéresse sur un strict. Parfait. Mais, j'ai un frère qui fait de la mise en scène, tac, et qui à chaque fois me demande pour l'emmerder, je lui dis oui, pour lui dire non après. Donc il se retrouve tout seul à faire les clips. voilà. Donc pour emmerder le monde, il se peut qu'un jour je fasse quelque chose, mais ce serait juste pour ça, quoi. Parfait, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.